Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On y va, t'inquiète pas, je vais te sortir de cette situation. Tu n'es pas tout seul cette fois-ci. Ne t'inquiète pas, tiens le coup. Arrête tes poches. Les Allemands n'ont pas l'habitude d'abandonner les proies. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Là, je marche à coupi. Donc là, on est du côté des Allemands. Élimine ces projecteurs. Les mitrailleuses sont braquées dessus. Tire surtout. Ouais, ça se voit. Ok, donc je viens de comprendre. Faut qu'on fasse attention au niveau des projecteurs. Je pense qu'on va bien morfler, hein. C'est dingue en fait, hein, comment ils sont. Ils sont bien fortifiés. Hein. Je me dépêche là. Ça y est, le projecteur va arriver sur, sur moi. Putain. Je suis protégé pourtant derrière là. Mon cul, hein. Eh bah ben, mes fesses, hein, t'es vachement protégé. En fait, faut pas être du tout dans la lumière. Hein. Mais du tout, du tout, du tout, du tout. Tu peux complètement oublier la lumière. Oublie, elle est belle, elle est jolie, mais tu vas pas dessus. Sinon, tu risques de perdre tes plumes. Ok, c'est pas grave, de toute façon. Ça fait partie du... de la guerre. Même pas du jeu, c'est de la guerre. On gagne pas tous les coups, hein. Alors. Il perdait beaucoup de sang. Il ne restait pas beaucoup de temps pour le gagner. Tout ça, c'est ta faute. Non, c'est pas de ma faute, je suis désolé. Fais-moi. C'est arrête tes poches. Les Allemands n'ont pas l'habitude d'abandonner les points. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu trouver. Donc là, je cours un peu avec, mais ça sert pas à grand chose. Donc après, ça va être vraiment les lumières, hein, qu'il faudra pas trop. Faudra pas trop s'exposer parce que on va risquer de perdre assez facilement quoi avec les Allemands qui sont vraiment aux aguets là-dedans. On laisse tomber la vache. C'est surtout un sacré bordel, ouais. Ok, il nous a pas vu, hein. Donc là je suis abrité. Putain, laisse tomber, t'es vachement abrité. Attends, le rétro il va repasser. Projecteur, bien évidemment. Ah, on a plusieurs, ok, donc il y a un côté que tu peux pas du tout passer. Les vicieux. Les vicieux. Dans quel pétrin je me suis encore mis, moi, mais c'est pas vrai. Faudrait qu'on commence à taper un petit sprint, mais là je sais pas du tout où on peut y aller. Moi, je dirais qu'ici, dans la tranchée, ça peut le faire. On est à l'abri, franchement. Attends qu'il passe. Lumière. Nos gars vont nous prendre. On débauche. Plus on va se rapprocher, plus ça va devenir soutenu, hein, la lumière. Hein. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Faudra aller encore plus vite après. Le problème, c'est que tu sais pas par où tu dois passer. J'espère qu'on n'est pas détecté à partir de là. Ça y est, ça charge là. Ouais, pas totalement. Tant que j'ai pas mes fesses dans un endroit chaud, je dirais pas que j'ai réussi. Eh ben, dis donc. Je suis assez prudent parce que franchement ça serait stupide de se faire avoir à la dernière seconde. Dommage qu'on peut pas tirer dessus, tu vois, tu trouves pas une arme par terre ou je sais pas. Tu endommages un petit peu le spot quoi, de lumière.
Ça se réduit de plus en plus. Ah non, en fait, je crois que... Non, non, c'est clair plus, en fait, finalement. Ok, ok. Je pensais que ça éclairait, tu vois. Wilson m'a traité de bon à rien de menteur, et d'autres noms d'oiseaux. Si je l'ai ramené, c'est parce qu'il a probablement raison. Et le fait qu'il ait raison me débecte au plus haut point. Il l'a porté à travers le No Man's Land ? Ce type est un vrai héros ! Il n'a strictement rien d'un héros. C'est un tricheur, un voleur et un menteur. Et il devra répondre de ses crimes. Eh oui, Blackburn. Alors, on t'envoie te mettre au vert ? Je vais témoigner pour toi, tu sais, au conseil de guerre. Ça pourra peut-être t'aider. J'en doute, mais... Merci. Il me faut un mitrailleur ! Wilson, moi ! Je veux aider ! Rackham, je peux le faire ! T'as rien à foutre dans les airs ! Wilson ! Si je dois crever, je veux que ce soit là-haut. Amène-toi! On part tous les deux! T'es sûr que tu veux pas passer ton tour? Pas de question! Ouais, putain de médaille! Tu me dois une putain de médaille! Oh là là, ils sont sérieux! C'est les chasseurs qu'il faut que je neutralise, ok. Ils sont les chasseurs. Oh, je vois rien du tout, là. C'est pas évident pendant la nuit, là. Attends, t'es sûr ? Oh là là, ils sont sérieux, attends. Allez, mettons les pleins gaz et c'est parti. Engageons le combat. Loin d'être simple, hein, quand même, hein. Allez, tue-le, 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 tue-le. Ça y est, s'écrase. Donc t'as plus besoin de t'embêter avec lui. Là, il va nous en rester combien? 3-4, tu crois? Attends. J'ai remarqué qu'il me pique le cul. T'inquiète pas. Si, tu devrais justement t'inquiéter, parce que... ça canarde plutôt pas mal, là. Accroche-toi, mon pote. Ça va secouer. Ouais, bah... Bah attends, je me dégage, je décroche. Ça c'est le tien, c'est ton collègue. Bon, t'es où toi, petit chasseur? Attends, je le vois pas moi. Attends, il est où? Où est-ce qu'il est caché? Ah, il est là. Mais... Pff, oh, le menteur, celui-là. Il est en feu et il arrive encore à tuer tout le monde. Oh là 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 là, il est pas sérieux le mec. Attends. Loin d'être simple là quand même, hein. C'est vraiment loin d'être simple là. Parfait, c'est bon, neutralisé. Il nous en reste encore quelques-uns. Pépé, toi t'es normalement mort. Tu vas décéder. Je sais, je pilote à l'envers, ne t'inquiète pas. Allez, redressons l'appareil. Non, tu crois, j'avais pas remarqué. Ok, c'est lui l'enquiquineur là. Il en reste combien encore, tu crois? Voilà ce que j'appelle piloter. On aura une sacrée histoire à raconter.
Fais gaffe aux bombardiers! Ah, ça va devenir beaucoup plus tendu là. Allez, j'y vais rapidement, sinon je pense qu'on va regretter de pas savoir précipiter un peu. Donc, je ralentis complètement pour qu'il soit dans ma ligne de mire. Les bombardiers, ça reste les trucs les plus faciles à détruire. Si, 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 si. Je l'emporte avec moi, désolé pour le bug. Bien plus rapide ce truc finalement. Alors, les autres bombardiers, je les vois pas, il est là. Merde, j'ai tout tiré à côté. Sacré bordel quand même, vous en pensez quoi? Merde, merde, merde. Attends, il est où lui? Voilà. Conserve de la vitesse. Attaque les bombardiers en passant. Les tireurs auront plus de mal à nous aligner. Ah merde, ça n'a même pas totalement rechargé le truc. Oh non. Oh lolo, c'était joli ça. On vole à la même altitude. Pour pas dire que je suis collé à lui, quoi. Body, Body, qu'est-ce que tu fais comme connerie? Bah, je sais pas, je les vois plus trop les bombardiers. Ils sont juste là, mais j'ai décidé de plus trop les fréquenter. Il en reste un sur le côté. Je répare rapidement mon avion. Il est où? Il est où? Ah, il est là. Oh lolo, attends. Je refais un petit passage. Ça marche, j'y vais rapidement. Donc, je crois qu'il y a des nouveaux bombardiers qui viennent d'arriver sur zone. Ah, tu viens de les dépasser. Il vole où en fait? On nous tire dessus. Putain, mais je les vois pas vraiment. Ah si. On va rapidement neutraliser le reste de la flotte. Je vole à toute vitesse, hein. Mais j'ai un chasseur derrière moi qui est en train de me faire des dégâts. Plutôt intéressant. Non, non, j'ai fait tout à l'envers. Attends, oh lolo. Par contre, la météo, elle est pas... pas du tout évidente. Tant que tu détruis pas les chasseurs, putain, ils te lâchent pas. Hein. Bah, faut vraiment que je détruise les chasseurs derrière mes fesses là. T'inquiète pas, on va finir par l'avoir. Tout mis à côté. Ah, dégoûté. J'ai tout mis à côté. Je vole à l'endroit ou à l'envers, là? Je sais même plus. Je sais plus où je vole, là. Attends. Où est-ce qu'il est, le dernier chasseur? Je crois qu'il est un peu au contrebas. Ah, le voilà. Ouais, le voilà. Je le vois vraiment pas. Ok. Occupons-nous des deux derniers, je crois. C'est les deux derniers, vous pensez, ou pas? Oh merde, 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 ça, c'est le dernier, je crois. L'avant-dernier. On a été touché. Et le dernier, je crois qu'il est là. Voilà, le coup de maître à la fin. On a des ennuis. Oh non, je sens arriver l'idée.
T'es pas sérieux, maintenant faut faire les dirigeables. Oh non. Ils sont combien là-dedans? Oh, ça va, ça reste quand même facile à détruire. Ah ouais, ça c'était plus tendu. Je pense que ça sent que je m'embête avec les chasseurs. Ah, c'est là que ça canarde. Allez, réparons rapidement. Comme ça, tu auras ta médaille. Désolé, je vais voler un peu plus bas. Histoire de reprendre un petit peu plus de munitions. Je sais pas si ça lui fait des dégâts, ça, tu vois. Ouais, quand même, hein. C'est très réaliste, hein, quand même. Hein. C'est dingue, hein. Par contre, faut constamment faire attention à votre... votre avion. L'état de votre avion, en fait. Oh, putain. Et le deuxième dirigeable, il est où? Il est là. Je m'inquiète pas plus que ça. Ah, faut que je vire serré. Attends, c'est quoi? Profitons-en pour recharger l'appareil. Et en même temps le réparer. C'est bon. Là, on s'en fiche si on est, on va dire, à l'endroit ou à l'envers. Merde, j'ai tout mis à côté là par contre. Ah, c'est moche. Alors le deuxième dirigeable, ah, il est juste là. C'est bon, mes munitions, vous pensez qu'elles sont rechargées ou pas? On va vérifier ça ensemble. Allez, j'accélère. J'ai une drôle de façon de voler par contre. Hein. Je suis désolé, mais c'est un peu bizarre là. Oh putain, répare. Peu importe. L'objectif, c'est de réparer là. C'est ça ma priorité. Je redresse l'appareil. C'est rien, c'est rien. Heureusement qu'on n'a pas un temps donné. Hein. Oh là là, magnifique. Il va exploser là, tu crois? Ouais. Donc pas longtemps. Ah, il suffit juste d'en péter un seul. Ça, c'est plus moche, ça. Si je dois crever, je creverai ici. Oh, toi et ta grande gueule, Blackbird. Ça va aller? Ouais, c'est... Faut avoir le canon anti-aérien. D'accord. Surveille tes arrières. Tiens, Raymond, sur le dirigeable, la vie est belle. D'accord, faut grimper là-haut. Regarde pas en bas. D'accord. D'accord. Mon Dieu, regarde pas en bas. Faut avoir le canon anti-aérien. C'est de la folie. Et leur canon là, vous croyez? Attends. Ouais, à condition de le voir. Sacré bordel leur truc, hein. Alors maintenant faut qu'on s'empare du truc.
Tranquille, bande de petits malins. Le mec qui gueule tranquillement. Ok. Ouverture à... Voilà. J'espère qu'ils sont pas nombreux, hein. Ça, c'est un vrai bordel ici, hein. Ah tiens, il me voit, lui, tranquille. Oh là là, l'arme, elle t'explose à la gueule au niveau... la détonation. C'est juste dingue, en fait. T'es plus ébloui par les tirs. Ah, il y a une arme carrément en bas. Ça m'intéresse pas plus que ça. Ok, donc, je crois que c'est à l'avant qu'on doit y aller ou pas. C'était pas moi, c'était lui. J'ai déjà, putain, il a tiré. Il a tiré vite, hein. Oh, putain, désolé. Ouais, je m'occupe d'abord du dirigeable. Pourtant, je l'avais détruit, hein, tu vois. Donc, en fait, fallait en détruire un sur deux. Ça y est, va péter. Allez, adieu le dirigeable. Allez, venez le reste. Je vous attends. Attends, je me régénère un peu. Oh! Hein, sur le dirigeable. Moi je tire sur le mec, je te jure. Moi je suis un ouf, je tire sur le mec. Ah, le dirigeable est en train de m'achever ma santé là. Pur égoïste qui a risqué sa peau pour sauver quelqu'un d'autre et qui a trouvé le salut par la même occasion. Mais en temps de guerre, les faits se mélangent un peu et vous entendrez sûrement d'autres versions. Un pilote qui a volé un avion, qui a buté son pote et qui a menti, triché et massacré sur la moitié du front occidental. Tout ça pour échapper au conseil de guerre dans le chaos d'un raid aérien. Mais n'écoute pas toutes ces rumeurs. Ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Si c'était des bobards, je te raconterais pas tout ça. Pas vrai? Pas vrai. Eh ben... Ouais, c'était un personnage un petit peu différent, celui-là. Il était beaucoup plus égoïste, mais comme il disait, il a trouvé un peu le salut, et ça, c'était vraiment sympa. Ok, donc il y avait pas mal de trucs à récupérer un peu partout. Ok. Non, c'est plutôt bien quand même, hein. Continuer. Et ben voilà. Donc là, ce qui va nous rester, c'est qu'il va nous rester ce personnage-là. Donc les missions sont un tout petit peu plus courtes, j'ai l'impression. Donc lui, les deux premiers, ils étaient vraiment fournis au niveau des missions. Donc ça, c'était le prologue, hein. Donc ça, c'est quelque chose vite fait pour vous montrer un petit peu le début. Donc là, on a fait les deux. Donc on va se retrouver prochainement pour celui-là. Après ce petit cowboy, donc ça va être à mon avis le côté naval. Ça c'était le côté aviation. Là ça va être le côté ouais pareil naval, je dirais. Et là ça va être dans le désert. De toute façon on verra bien. Ok. Donc je vous dis à tout à l'heure les amis pour la suite. Allez, gros bisous à tous.
prenez soin de vous.